Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo et pour découvrir ces personnes inspirantes. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale où on vous présente nos programmes d'études au Cégep de Bécomo. Vous écoutez le balado, il faut partager ça et je suis avec Julie Maltais. Nous avons 14 programmes d'études et un tremplin DEC ainsi que un tremplin DEC Première Nation à vous présenter dans cette édition spéciale. Et euh, Julie, est-ce que tu peux me donner plus de détails? Oui, vous allez entendre Alison et Brieux qui vont saisir l'occasion pour rencontrer un ambassadeur qui fera découvrir son programme d'études à toute la population du Cégep. Alors, c'est un très beau projet qui a été d'ailleurs suggéré par Alison et Brieux pour euh, faire cette belle publicité-là au sujet des programmes que nous avons au Cégep. Bien, merci Julie. Alors, euh, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Félix de Sciences humaines. Allô? Allô, ça va bien? Ouais, oui, toi? Ben oui. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Euh, oui. Très, je suis <laughs> très content d'être <laughs> ici aussi, pour vrai. Pour notre deuxième capsule avec nos ambassadeurs et ambassadrices de Le programme, programme. du cégep de Bécomo. Ben oui, puis euh, si on commence euh, tout de suite mm -hmm. déjà. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené à appliquer dans ton programme ben, Premièrement, c'est quoi ton profil de programme Moi, mon profil, c'est profil psychologie. Puis depuis toujours, j'ai tout le temps aimé l'humain, comprendre l'humain, comment, t'sais, pourquoi il agit comme ça puis tout. Puis euh, en, en fait, euh, sciences humaines, ça touche vraiment toutes les sphères de la science humaine. Fait que ça m'a vraiment aidé à approfondir, je pense, euh, mon intérêt envers l'humain. Wow. Puis ton but en, en faisant ça, c'était quoi ton but premier par exemple? Moi, moi, je sais que je voulais aller à l'université parce que j'aime vraiment ça étudier dans ce que j'aime. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime vraiment l'école. Fait que étudier dans mettons, euh, mettons en psychologie par exemple, ça, ça vraiment, j'aime vraiment ça. Puis euh, ça, dans le fond c'est pour ça, je voulais aller à l'université puis j'étais certaine que je voulais aller à l'université. Cool. C'est chouette. Et um, quand on parle de ton programme euh, plus particulièrement, est-ce que tu as, as des points forts, des choses que tu retiens vraiment pour. Euh... Euh, oui, parce que dans le fond, y a, normalement, les gens ils disent Ah, oh, je m'en vais en sciences humaines parce que je ne sais pas vraiment où -ce que je veux aller. Mm -hmm. Mais je trouve vraiment que ça t'ouvre vraiment beaucoup de portes sur toutes les sciences humaines. Ouais. Tu sais, nous, on a eu des cours euh, en histoire de la situation occidentale on a eu des cours en carte du monde on a des cours de recherche aussi. Sciences euh, politiques. Sciences politiques. Ah, wow, okay psychologie, fait que en fait ça t'ouvre vraiment des portes sur tout, puis après tu es capable de te dire ah ouais là ça là-dedans j'aime vraiment ça, c'est vraiment là-dedans que j'aimerais aller, fait que ça ça te fait comprendre vraiment plus tes intérêts, puis ça te fait apprendre sur toi-même je crois. Ah okay. c'est bon, fait que point fort de ton programme c'est vraiment la la diversité, la diversité ouais. qui a. Ah, mm -hmm. c'est cool. Puis est-ce que tu sais si mettons c'est comme ça dans toutes les, ça doit être comme ça dans tous les profils ou? Euh, oui oui. Ouais. Parce que dans le fond moi j'ai un profil psychologique, fait que c'est juste que j'ai plus de Cours de psychologie. Ok. J'ai quatre cours de psychologie. J'en ai eu dans toutes les, se dans toutes les sessions. Ok. Je pense que les autres, ils ont. Euh, mettons, il y a un profil comme plus maths. Puis tandis que l'autre, c'est monde. monde... Enjeu mondial. Enjeu mondial. Bon, je ai okay, Donc il y a trois profils au de Oui, Oui, ouais, ouais. L'autre, c'est enjeu mondial. Puis tu as plus de cours, je pense. Euh... Sciences Po, je pense, car du Monde. Ouais, puis je pense que tu comme de des un cours de relations internationales. Euh, de plus. De plus. Ben, Parce que moi, j'en ai un, là, en cours d'internation. Ouais. Relations internationales, oui. tu l'as? Oui, je l'ai okay. à cette session-ci. OK, bon. Puis euh, sinon, pourquoi le cégep de Bécamo? Est-ce que tu avais d'autres options avant? Est-ce que tu hésitais à venir au cégep? Parce que on sait que tu es native de Bécamo. Fait oui. Que, pourquoi que tu as choisi le cégep de Bécamo? mais En fait, moi, avant, euh, j'ai pensé à aller au cégep de Garneau. Euh, C'était quoi la technique? Une technique d'intervention en délinquance. Okay. Je pensais aller là-dedans parce que j'aimais vraiment le côté euh, criminologie, je pourrais dire. Euh, mais finalement, euh, j'ai décidé de rester ici pour. Euh, parce que tu sais, c'est cher, on s'entend, aller à Québec, c'est ouais. cher. Et c'est ça. Fait que rester ici, c'est moins d'argent à dépenser. Je peux rester avec ma mère. Ça te permet de ramasser tes sous ouais, aussi. exactement. Puis, tu sais, le cégep de Bécancour on s'entend, c'est un cégep qui est humain. Tu es proche de tes professeurs. Puis tandis que, mettons, le cégep de Garneau, c'est un gros, gros, gros cégep. Puis, tu sais, les, les enseignants, je pense qu'ils sont moins euh, disponibles pour nous aussi. Tandis que qu'ici, tu envoies un Mio. Euh, c'est comme la, la plateforme pour envoyer des messages. Tu ouais, ouais. si envoies un Mio. Mettons euh, le matin, puis il va te répondre dans même pas une heure, mettons. Ouais, oui, c'est Il ça, répond vite. Puis c'est le point fort que Tristan nous avait ouais. dit aussi la semaine <laughs> passée que les enseignants les enseignantes sont souvent très disponibles pour nous, puis ça, c'est vraiment ouais. important. Puis euh, sinon, ben c'est ça. Est-ce que tu aurais d'autres points pour euh, pourquoi le cégep? Oui. Euh, mettons par rapport à l'argent, le lieu puis euh, du CGP humain, je pense que les trois points je pense ouais, c'est ouais. vraiment ça. Et ouais, puis je pense que tout le monde s'accorde à dire ça aussi. Ouais. oui, je pense qu'on euh, pourrait demander on verra demander... Pour les prochains ambassadeurs, ouais. mais à mon avis, <laughs> ça va revenir comme ça. Mais aussi ouais. tu sais, je parle aussi tu sais du lieu, tu sais aux alentours, tu sais c'est de la forêt, c'est le fun, tu sais ça ça fait du bien, tu sais que ça soit vraiment tu sais on, on est proche de la nature à Bécancour, on s'entend. Et ouais, oui, ça fait du bien aussi. L'environnement, il est plaisant, c'est oui. un environnement sain puis mm -hmm. Comme tu dis, on est proche de l'eau, de, de la forêt. C'est tellement le fun. Cool. Est-ce qu'il y, y a un projet ou quelque chose dont tu es fière, dont tu peux nous parler, que tu as fait en, euh, en euh, rapport euh, ou pas d'ailleurs avec euh, les sciences humaines euh, J'ai beaucoup voyagé, mais tu sais, c'est pas vraiment en rapport en sciences humaines, mais un peu. Ça m'a quand même développé en tant que personne. Ben, oui. Ça m'a vraiment permis de me trouver un peu dans un sens. Sinon, euh, un projet que j'ai vraiment été fière, j'ai été euh, en international euh, au secondaire. Donc, euh, c'est en R5, oui, ouais. ben non, c'est correct <laughs> parce que tu l'as fait avec moi donc en r 5, on faisait un gros projet personnel puis finalement, moi j'ai fait ça a fait par rapport au voyage justement j'ai fait comme un gros, un gros cube en bois, puis j'ai mis comme plein de photos de voyage, puis il fallait que je dise il fallait comme qu'on l'explique, puis tout ça c'était quand t'sais, même avait complexe il y un gros ça. rapport avec ça ouais. après, puis une oui. grosse méthodologie ouais, c'était comme vraiment compliqué puis j'étais vraiment fière finalement parce que tiens ça avait un rapport avec mes voyages fait que j'étais vraiment fière d'avoir fait en plus j'ai fait avec mon père parce que c'était en bois, fait que j'étais comme pas tant à l'aise avec <laughs> le bois. <laughs> tu avais demandé de l'aide <laughs> Oui, ouais, c'est ça demandé de l'aide mon père fait que j'étais vraiment fière de tout ça sinon euh, ici on a, un, on a un cours de recherche dans le fond comme que j'avais dit ça s'appelle initiation à la démarche d'intégration quelque chose comme ça puis le premier projet que j'ai fait parce que là j'ai démarche d'intégration mais comme le deuxième je suis okay. en train de faire un autre projet qui va être sur euh, le trouble de psychologie antisociale, mais ah, c'est ouais. tellement intéressant. Ouais, okay. Mais le premier, je l'ai fait sur euh, l'impact des réseaux sociaux sur euh, les jeunes, dans le fond. Okay. Puis j'ai quand même été fière de ça parce que tu j'en ai appris aussi là, c'est ben quand même oui. vraiment intéressant. C'est quand même un enjeu mmh. vraiment d'actualité, Après ça, tu disais. T'sais. Ça Ouch. va sur... ouais. Ah oui, je me disais <laughs> « après. <rire> Et euh, moi, du coup, juste pour revenir un peu plus euh, personnel, tes voyages, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a amené aussi vers euh, les sciences humaines, ça qui t'a ouvert ou... Euh... Euh, oui, peut-être, pour vrai. Tu sais, dans le fond, euh, je me suis ouverte à plusieurs cultures, on s'entend, puis ça m'a comme permis de voir l'humain d'une autre façon. Puis à l'ancienne semaine, tu vois... Tu vois tellement de facettes de l'humain que je pense que oui, un peu, la, le okay. voyage, ça m'a amené à Me poser des questions ouais, aussi. Me poser des questions, puis me dire Je pense que ça serait une bonne idée que j'aille en sciences humaines. Okay. Ouais. Et juste pour le plaisir de nous faire sortir de l'hiver <laughs> un peu québécois, c'était quoi les destinations où tu euh, Avec ma mère, on a fait un gros voyage ensemble. Ça a vraiment été plaisant. d'aller au Portugal. D'aller okay. euh, à Lisbonne, Nazaré. Ouais, je déjà la Porto. chaleur qui vient. Avec... <laughs> ouais, ouais. Ensuite, euh, j'ai fait un voyage avec Ali. En early, oh, en Allison. Oui, ouais, okay. ouais, c'est ça. En secondaire 5. On est allé euh, à, en Italie, okay. on est arrivé à Rome, après on est allé à Florence, puis après on est allé en France, euh, à Nice. Okay. Sinon, euh, Cuba, je suis encore allée avec ouais. Ali, <laughs> genre un voyage humanitaire à Cuba, on, okay. a, on dormait dans, des, euh, dans une école. C'était on... comme des dortoirs. Oh, oh, ouais. oh mon Dieu. Oh, oui, on puis... a sorti de notre zone de confort. Ça, c'est oh, oui, oui, vraiment. <laughs> puis, on était comme jumelés avec des Cubains. C'était okay, vraiment wow. cool. Là. Ouais. Puis, on a, on a aidé à l'école. Tu sais, on a, on a peinturé. Je sais pas si toi, tu as peinturé, là Non, moi, j'avais fait le ménage. Ah, <laughs> moi, j'ai peinturé. <laughs> Mais, c'est juste ce voyage-là, -là, tu sais, mm. c'est sûr que ça t'a ouvert des. Ben, en tout cas, moi, là, si ben, je oui. me mets à. Oui, oui, moi t'sais, aussi. Ça, ça t'ouvre tellement le... les yeux. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, oui, mais oui. tu sais, ça, ça t'ouvre l'esprit, puis t'es comme... T'es comme, OK. Qu'est-ce que j'ai au Canada, c'est... Vraiment... je suis Il compte de la chance qu'on a il ici. Était euh... Il était tellement... Il était tellement fier, puis content de nous montrer, tu sais, des choses que nous, on a de même, ouais. tu sais. Mmh. fait que, déjà, fou. ça, cette expérience-là, c'est sûr que ça t'a... C'est une des expériences qui m'a plus marqué Vraiment? Quand je suis revenue ici, j'étais comme... Mais vraiment? Non. Ouais, oui, 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 c'est mmh. ça. Puis... Euh... On change un peu de sujet, mais, mais c'est vraiment, -ce vraiment intéressant, mais mmh. je viens de penser à quelque chose, puis là, je ne veux pas l'oublier. Mmh. Mais euh, étant ambassadrice, en, mmh. en t'impliquant au cégep comme ça, qu qu'est-ce qu que ça peut t'apporter? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire « oh va, je vais être ambassadrice ». Euh, moi, je sais que je suis, suis quelqu'un qui... qui a mal des bonnes idées, puis que euh, ça m'intéresse de faire comme un, un changement. Puis ouais. là, justement, j'ai eu... Euh, <laughs> J'ai eu, euh, eu un message, voilà pas long de, de, de quelqu'un qui m'a texté pour savoir, mettons, des des, euh, des idées pour le, le programme, c'est quoi, puis tout ça. Mais au, elle, elle s'est comme pas informée au début, elle s'est comme dit, salut, mais <laughs> sur Instagram, tu sais, ouais. moi, j'étais là. Euh, bonjour, <laughs> pis, je ne le savais comme pas, puis la elle le dit, puis j'étais comme informée, tout Puis j'aime vraiment ça, aider les gens. Puis être ambassadrice, c'est juste transmettre. De l'information, puis aider les gens à bien choisir son programme. Puis moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis en plus, on s'entend qu'on est rémunéré aussi. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est vraiment agréable pour elle. Mais tu sais, ça te permet aussi de dire, hey, tu es une personne ressource pour les mm -hmm. personnes, puis que justement, comme tu dis, tu peux vraiment les aider. Mm -hmm. Puis c'est valorisant. Et tu tu réponds à la question, puis tu es comme, ah, oh, j'ai aidé quelqu'un. Puis mm -hmm. après ça, elle va sûrement vouloir venir me réécrire, tu sais. Mm -hmm. Fait que cool, parfait. Puis. Puis, tu sais, aussi, là, tu sais, euh, on se connaît depuis longtemps. Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime ça aider les gens, puis qui, ben oui. qui essaye d'aller à la rescousse de tout le monde. <laughs> fait que là, tu sais, on dirait que je peux le faire sans aller comme trop dans la vie des autres, t'sais. ben oui, puis c'est un petit ajout à ta vie collégiale, tu sais. Ça te permet de rencontrer des gens aussi, fait que... Exactement. Ça, mmh. c'est le fun. Puis, petite chose, mettons, suite de ton collégial... Est-ce que tu as des plans après? Ben, C'est sûr que tu es dans un pré-universitaire. Mm -hmm. C'est sûr que comme tu disais au début que tu vas aller à l'université. C'est quoi mm -hmm. tes plans? Euh, là, j'ai euh, vu un orienteur de Montréal en par Zoom parce que je okay. vraiment perdue. Hein. Okay. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui aime. C'est ça qui est bizarre. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup l'humain, mais qui aime beaucoup la science aussi. Mm -hmm. moi, là, en plus, j'ai eu un cours de biologie humaine. J'ai un cours de biologie humaine, puis je tripe. Genre, j'aime vraiment ça. Fait que j'ai vraiment vu que la bio puis l'humain c'est vraiment ça que j'aime, mais un programme en bio quand tu es en sciences humaines c'est dur à trouver. Hein? Ouais. Fait que là euh, j'ai vu un orienteur puis tout, puis j'ai même repensé retourner au cégep pour faire comme une technique hein, biomédicale ou quoi de même. Ok. Mais mon Dieu. ok t'es rendu dans un autre. <laughs> Moi ouais, j'ai pensé à ça, mais là j'ai trouvé mon programme. j'ai appliqué dans deux programmes j'ai appliqué à Chicoutimi euh, en bac en psycho parce que j'ai checké les cours et j'aime vraiment ça okay. mais moi tu sais j'irais peut-être plus j'irais pas dans la relation d'aide je pense okay. j'irais plus mettons dans la recherche des affaires comme ça puis j'ai appliqué à Montréal à l'UDM mm -hmm. euh, en le bac en neurosciences cognitives oh, waouh wow, wow, fait, ouais, fait que ça j'ai juste besoin de ma science humaine puis j'ai vraiment le profil que j'aime psychologie puis j'ai le lien avec le cerveau fait que, moi, c'est ça, ça me vraiment passionne. Puis, normalement, j'irais à l'UDM, mais c'est sûr que c'est aller à Montréal. C'est vraiment toute une autre vie. Là, c'est un autre changement, c'est un gros changement. ça me stresse beaucoup aussi. Tu dois tellement être satisfaite de dire, là, je sais où ce que je m'en vais. Ça doit tellement être C'est rassurant, tu sais. Puis, tu finis ta session, puis, tu te dis, là, je sais où ce que je m'en vais. Ouais, mais tu sais, c'est stressant. je vais sûrement habiter dans une résidence. Ouais. Mais tu sais, ouais. on commence tout... Il euh... faut bien passer par la mode. Ouais, hein. Oui, <laughs> oui, Bon, ben ça fait pas mal de temps. Ben hein. oui, merci bien. Ça euh, me fait vraiment plaisir. Oui, merci vraiment. Puis euh, merci d'être impliqué dans ton CGF Je suis très fait. contente d'être venue ici pour... Euh... C'est chouette. Oh, ben merci. <laughs> chouette.